Voilà, écoutez, c'est le making of, comme on avait fait la dernière fois. Paf, le cadrage est pas très bon, je suis toujours mauvais. On est en plein golden hour, bon, pas du tout. Je fais l'expert pro de la photographie. Bon, voilà, si vous voyez, enfin, à l'heure actuelle, vous voyez ces images, le making of, eh bien, c'est que vous avez vu, voilà, le résultat final de l'heure. Je sais pas comment je vais appeler ça encore, parce que là, du coup, on a absolument. Rien n'est encore prêt, rien n'est encore finalisé au moment où je vous parle. Mais voilà, du coup, tout ça pour vous dire qu'on est en plein mois de janvier, du coup, il fait un peu froid, et puis pour rester En fait, c'est la suite du précédent court-métrage. Alors, bah, il fallait que j'aie le... En fait, voilà, du coup, le plot, c'était bon, je m'étais fait... On croit que je meurs à la fin, etc., sauf qu'en fait, je me suis fait prisonnier, etc. Donc, bah, il faut que je garde les mêmes vêtements, etc., sauf que c'était en été. Et tout simplement, j'étais en chemise en plein été. Donc voilà quoi. Hein. Du coup, là, je me les pèle en hiver. Je me suis fait lâcher par mon caméraman au passage aujourd'hui. Bénévole, hein, mon caméraman bénévole. Aujourd'hui, je vais me débrouiller tout seul. Et voilà, j'espère que le résultat sera bien. J'ai dû, bref, tout nettoyer, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu pour les personnes qui auraient voulu savoir. Je pense, alors il y a peut-être un petit peu de vent. Il pourrait qu'il y ait un petit peu de vent, que vous m'entendiez pas très bien. On est le 23, si je dis pas de bêtises. On est le 23 janvier et là on est actuellement, ouais, la période, il fait froid là. On était en mode voilà, chemise, etc. Chemise, c'est un peu light pour les 2 degrés qu'il fait, quoi. Donc on va essayer de faire ça rapidement. On va essayer de que j'attrape pas trop froid, je tombe pas malade et puis voilà quoi. Voilà. Ah, yu kuso majime de massugu na ningen ga son wo suru nda. Wakatta na soko ni iru soitsu ra wo konose. Jour 3. Exploration des lieux. Bon, on est de retour ici. Il fait extrêmement froid. Le lieu du premier tournage du premier. Regarde un peu ce qu'il y a à faire. Et voilà, il fait extrêmement froid. Donc, peace. Meanwhile. Oh. Comment essayer les amis, ça touche à sa fin, c'est donc la fin de ce making-of. Et puis il y avait peut-être quelques petites questions que vous avez dû vous poser. Et alors c'est vrai que paradoxalement, je pense par rapport au premier, je trouve que le résultat est beaucoup mieux que le premier. Je dirais que quand même sur le premier, le résultat, j'étais resté un peu sur ma faim par rapport aux attentes. Là je trouve quand même que c'est mieux en termes d'ambiance, d'immersion, etc, etc. Mais le premier, la différence vraiment entre le premier et le deuxième, c'est que je pense que le premier, on s'est beaucoup plus entre guillemets fait chier, etc, au tournage, etc. Sauf que là sur le deuxième, je pense que on n'a pas mis trop longtemps, etc, à prendre toutes les images. Mais le plus gros du travail restait quand même en post-prod. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps en post-prod, mais voilà, je suis quand même plutôt content du rendu final. Mais du coup, il y a quand même quelques petites questions que vous avez dû vous poser. Première chose, la scène fight, etc. Eh bien, pourquoi est-ce que j'avais le nez, pourquoi j'avais le nez en sang, etc. Est-ce que, enfin, on peut le voir à certains moments, est-ce que c'était en mode réalisme, etc. Eh bien, pas du tout. Il n'y avait aucun maquillage, aucun truc, sauf qu'il faut savoir que pendant qu'on faisait les scènes, etc., eh bien, je me suis pris un petit.
Je me suis pris un petit coup de boule, un petit coup de tête à un moment. Alors c'était pas prémédité du tout, mais voilà, en termes de réaliste, du coup je l'ai gardé. Du coup c'était vraiment du vrai sang, c'était mon sang du coup qui coulait de mon nez du coup. Donc voilà, je me suis dit bah on écoute, réalisme, on va garder. Et deuxième chose, je vais vous montrer un petit peu à l'image. Vous avez dû vous dire, mais bien sûr, vous avez vu dans le making of, bah, il y avait zéro neige. Hein. Alors je sais qu'à certains moments, ça laissait un peu à désirer, on va dire. Je sais que ça laissait un peu à désirer. Mais voilà, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu. Je me suis dit, on est en hiver, etc. C'était dans le but de faire un truc. Voilà, j'avais envie de vraiment de faire quelque chose comme ça. Alors je sais que ça rend pas forcément très très bien à tous les moments. Mais en fait, à un moment, j'étais parti sur cette idée. J'avais déjà passé beaucoup de temps, etc. Je pouvais pas faire demi-tour. En fait, j'avais passé trop de temps tout simplement pour faire demi-tour. Je pense que ça rend pas trop mal, ça rend pas comme de la vraie neige, hein, bien sûr. Il faut savoir que la plupart du temps, il faisait grand soleil et c'était tout, quoi. Donc je sais qu'à certains moments aussi, ça rend pas très très bien. Mais si vous voulez, si vous êtes curieux un peu, je vais vous montrer alors très rapidement le procédé de comment j'ai fait, etc. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Alors il faut savoir que, hop, donc voilà, ça ressemble à ça, c'est un champ, hein. C'est un champ, ça ressemble pas à grand chose. Donc voilà à quoi ça ressemble de base. Ça c'est le avant et le après, voilà à quoi ressemble le après. Donc voilà, ça m'a fait pas mal de temps à charger. Donc voilà, il faut savoir, je vais pas vraiment rentrer dans les détails, hein. Donc on va y aller très 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 très, très rapidement. Quelles sont les étapes en gros? À la base, on a tout simplement, là on va copier-coller notre média de base. Et dans les effets, en fait, tout se joue dans les effets, tout se joue dans les effets au niveau de... Voilà, du niveau. Dans le niveau, c'est ça qui va nous permettre de jouer un petit peu. C'est ça qui va nous permettre de jouer un petit peu sur notre neige, quoi. En gros, notre neige, ça va être ça. Le but, c'est d'isoler en gros un petit peu le ciel du sol. Ensuite, comment on fait cette espèce de... Alors, ça, c'est la neige. Comment on fait cette espèce de... C'est une sorte de brume, on va dire, qui met un petit peu l'ambiance, l'atmosphère. Bon, alors, c'est pas bien compliqué. Tac, on arrive solide, on prend en gros, voilà, globalement l'une des couleurs qu'on a ici, on prend un solide. Qu'est-ce qu'on fait? On masque up notre solide. Et donc là, on va le feather. Le feather, c'est tout simplement le up. Je sais pas comment trop expliquer, mais bref, voilà, le feather, le avec un masque. Bien, voilà, c'est comme ça qu'on crée cette espèce de brume. Et la neige, tout simplement. Ça on va pouvoir supprimer. Et la neige. Et voilà, la neige c'est tout simplement un plugin. Attendez, on va supprimer ça. Mais la neige tout simplement un plugin. On va venir créer un nouveau solide. C'est un plugin en gros. Hop. C'est un plugin qui crée de la neige. Donc là on peut gérer. On peut tout gérer, le nombre de particules. On peut gérer le nombre de particules. Voilà, je veux que ma neige elle vienne d'en haut, hein, c'est logique. Hop, je veux que ma neige vienne d'en haut. Dans les physiques, alors de gravité, bien sûr, la neige tombe du ciel, donc là, gravité. Donc là, hop, on répand nos particules sur la gauche. Et là, hop. Donc voilà, en gros, grosso modo, c'est comme ça. Donc, alors là, je fais vraiment rapidement. Mais grosso modo, voilà, c'est comme ça qu'on a la scène. Donc voilà. Et il faut savoir que dans la vidéo où je loupe la nurse, du coup, eh bien, pour les personnes, alors à l'heure actuelle, donc la vidéo est sortie hier au moment où je parle, et personne n'a, en fait, à la fin de la vidéo, il y a, donc du coup, il y a l'outro, et pendant quelques secondes, il y a un lien, de l'espèce de trailer, en fait, que j'ai fait. Donc voilà, du coup, il y avait un petit lien à la fin, c'était un YouTube Shorts qui permettait aux personnes qui sont allées jusqu'à la fin de la vidéo de voir le petit trailer, la petite bande-annonce
en avant-première, donc plusieurs jours avant tout le monde, donc voilà. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, donc là, il y a quelques personnes qui sont au courant, mais personne ne sait à ce moment-là. Donc là, je suis 2-3 jours avant la sortie du court-métrage, et personne ne sait, personne ne sait quand est-ce qu'il sort, quand est-ce qu'il est terminé, voilà. Donc voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tout dit, j'ai à peu près fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi cette aventure jusqu'ici. En tout cas, merci d'avoir cliqué sur le making of. Voilà, je suis content. Alors là, voilà, je pense pas qu'il y aura d'autres courts-métrages dans un futur proche, en tout cas. Mais il y a d'autres projets qui sont en préparation, donc ne quittez pas. Alors voilà, pour l'instant, donc, je ne sais pas encore. Donc voilà, il y a d'autres projets qui sont en cours de préparation, mais ne soyez pas trop impatients, parce que ça risque de prendre du temps, énormément de temps. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi en tout cas le making of, le court métrage. Je vous invite à aller voir aussi la première partie du court métrage, hein, puisque ça c'était censé être la suite du court métrage. Donc même si je sais que tout n'était pas forcément raccord, mais j'essaie de faire comme j'ai pu, hein, bien sûr. Voilà, donc merci d'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir cliqué, et je vous dis à très bientôt.